Bienvenue, merci d'être connecté à cette première. Oui, c'est une première pour nous, mais c'est bien la sixième édition des Cosmétiques Victories. Une première parce qu'elle est retransmise en live et bientôt, peut-être grâce à vous, à vos contacts, en replay. Alors on y va, c'est parti, sixième édition, générique. Bienvenue donc, je suis très honorée de vous trouver ici, là, derrière les écrans, connectés, pour suivre en direct la remise aux finalistes des prix Cosmétiques Victories. Sixième édition, une édition bien sûr voulue par Cosmétique Valais, soutenue par le fonds de dotation ESSEC. Six finalistes qui attendent vraiment de savoir qui va l'emporter après consultation du jury. On commence avec une cérémonie d'ouverture, comme tout bon prix qui se respecte. J'appelle donc le président de Cosmétique Valais, Marc-Antoine Jammet. Merci Laurence. Une sixième édition où la recherche de l'innovation devient une tradition pour nous et c'est tant mieux. Et donc je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Cosmétique Valais, votre pôle de compétitivité, premier centre mondial de ressources cosmétiques, accélérateur de transformation et d'innovation bien évidemment, 400 projets, 1 milliard en cours, coordinateur de la filière française de cosmétiques, c'est-à-dire probablement un succès, une réussite et probablement dans notre commerce extérieur les meilleurs résultats. Mais avec un partenaire, bien évidemment, nous serions seuls, que nous serions tristes. L'ESSEC grande école, l'ESSEC universitaire, l'ESSEC fabricant, bien évidemment, de têtes bien faites. L'ESSEC est avec nous et Julien Morel, qui la représente, nous a aidés grandement. Un but aujourd'hui, identifier des pépites, des chercheurs, des innovateurs, des entrepreneurs, plutôt chercheurs quand c'est le prix académique, plutôt entrepreneurs quand c'est le prix industriel, mais toujours un mélange des deux. L'avenir, c'est ce qu'on construit. Si on ne bouge pas, on meurt. Et la Cosmétique Valais bouge beaucoup, elle est dynamique. Une ambition. Devenir le concours mondial, la référence absolue en matière de cosmétique, et puis faire venir des gens de tous les pays du monde entier. Et de ce point de vue-là, nous avons eu de la chance, 80 porteurs de projets qui sont venus de tous les continents, un jury absolument extraordinaire avec des scientifiques d'Antananarivo, des scientifiques de Londres, de Tokyo, de Québec, de Messine en Turquie et de Nasrena en Thaïlande. Et puis une obligation qui devient une habitude, aujourd'hui malheureusement, mais tant mieux, d'une certaine façon, ça nous fait évoluer, le format digital. Nous avions réussi il n'y a pas très longtemps, il y a 3 jours, un comité de filière avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, en digital. Nous avions installé Cosmétique 360 en digital. Nous avions fait l'ensemble de nos congrès en digital. Nous continuons avec vous aujourd'hui. Teams, Zoom sont avec nous pour ces Cosmétiques Victories, bien évidemment. Un plateau aussi, surtout, la Web TV, la nôtre. Parce que si nous avons délibéré en digital, sur Zoom ou sur Teams, je ne sais plus, nous vous parlons sur cette Web TV et nous avons besoin de vous, bien évidemment. Un chaman, une médiatrice, je voudrais la remercier. C'est Laurence Dorlac qui nous a aidés formidablement à comprendre ce que nous devions comprendre, à aller là où nous devions aller dans ce jury qui a toujours besoin à un moment d'un médiateur, d'un intercédeur. Et vous l'avez été. Remercier tout le jury que vous verrez et l'équipe, bien évidemment, Amandine Goubert et Ségolène Lelloutre. Et puis remercier les six finalistes que vous allez voir. Ils ont été challengés, ils ont été questionnés, on les a interrogés, ils ont été bons. Les 74 autres n'étaient pas mauvais non plus. C'est ceux qui arrivent dans la dernière ligne droite. Et puis, l'innovation, c'est ce qui sépare un leader d'un suiveur. C'est ce que la cosmétique essaie de faire. Alors, des nouvelles frontières, la transition écologique, le numérique, vous verrez, il y aura beaucoup de choses. Je suis très heureux d'inaugurer cette cérémonie parce qu'elle sera pleine de surprises et pleine de rebondissements. Merci beaucoup, Marc-Antoine Jammet. Des surprises, des rebondissements, de l'émotion. C'est le lot des jurys, c'est le lot de toute remise de prix. Et ça a été peut-être ce qu'ils ont vécu, ces anciens lauréats de Cosmétique Victories. Tenez, ils sont là avec nous par le truchement des ondes. Bienvenue à vous, Mathilde Bru et David Malville. Alors vous, voilà des émotions qui remontent à 2018. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, formidable. Bonjour. 2018, vous avez eu l'honneur, allez, disons-le, d'être salué par ce prix Cosmétique Victories. Et nous avons voulu savoir, en synthèse, en quoi cela avait, allez, soyons grands, changé votre vie. Merci. Bonjour. Mathilde Bru, je suis responsable marketing communication du projet Eclipse.
Moi, je suis David Melville, donc chimiste de formation, président d'Eclipse. Donc, pour déjà situer notre projet, donc nous avons conçu des encres 100% végétales ayant la capacité de disparaître et de réapparaître par application de principes acquis de disparition et de réapparition. Donc, pour répondre à votre question, donc oui, ça a été, ça a changé beaucoup de choses, le prix industriel que nous avons remporté donc en 2018. Nous ne connaissions pas déjà Cosmetic Valley. Et donc, quand nous avons postulé, nous avons pu faire de très belles rencontres. Nous n'avons pas encore déposé de brevet. Nous n'avions qu'une... Nous n'avions pas de clients, pas voilà, de brevet, pas encore structuré, encore dans l'approche. Exactement. Et donc, à cela, nous avons quand même réussi à convaincre les membres du jury qui nous ont donné le prix industriel de 2018. Donc, ça a été une très belle surprise. Voilà, un phénomène, oui, beaucoup de... phénomène d'accélération possible pour votre projet. On est d'accord ? Ça a accéléré les choses ? Oui, absolument, tout à fait. Ça a été un coup de projecteur incroyable pour le projet. Ça nous a permis d'être en relation avec des journalistes spécialisés, mais aussi et surtout avec des acteurs majeurs de l'industrie cosmétique. Et à l'époque, nous avions une approche très discrète, puisque nous sommes sur de la R&D. On ne faisait pas spécialement de communication grand public. Et donc, grâce à cet événement, en fait, finalement, on a pu avoir tous les contacts nécessaires et dont nous avons besoin à l'instant T, ce qui nous a permis de vraiment avancer dans le bon sens des collaborations et de notre planning R&D. Et finalement, c'est très encourageant et ça nous a permis des mises en relation et des collaborations. Ça nous a permis vraiment d'accélérer le projet. Voilà, donc elle est tout à fait belle, cette vie de l'après Cosmetic Victory. Ça fait du bien de l'entendre et de voir peut-être encore un peu de timidité liée à l'émotion. Mais bravo, merci beaucoup d'avoir bien voulu témoigner de votre parcours qui s'appelle donc Eclipse maintenant, vous qui avez eu ce prix en 2018. Il y a une vie après le prix, on va peut-être l'évoquer avec vous aussi, Christophe Masson. Merci beaucoup, alors je le précise, bien sûr, tous les gestes barrières sont respectés pour la mise en œuvre de cette émission spéciale. Je vais à moi remettre mon masque. C'est formidable de voir qu'il y a une vie après tout ça. Je pense que ça fait évidemment chaud au cœur. Formidable. Je vous remercie vraiment de ce témoignage. Un témoignage qui montre la force d'une filière qui est implantée en France, qui réunit le monde de la recherche, de l'industrie. On a bien vu l'intérêt de faire rencontrer un porteur de projets innovants avec cette belle filière industrielle. Et puis, ça montre la force d'un réseau international que je salue ici, puisque nous organisons ce concours des Victories grâce à nos partenaires internationaux aux quatre coins du monde et notamment grâce au Global Cosmetic Cluster. Maintenant, au-delà du réseau, ce qui me semble, ça montre de manière plus fondamentale le rôle de Cosmetic Valley. Et notre rôle, il fonctionne sur deux piliers. Le premier pilier, c'est évidemment celui de la science, de l'innovation, de la recherche. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, fin février, on a réuni un comité d'experts internationaux du Royaume-Uni, de Turquie, du Japon, de Thaïlande, de Madagascar, du Québec, le tour du monde des experts qui ont planché sur ces 80 dossiers et qui ont sélectionné les 6 dossiers qui ont été auditionnés aujourd'hui. Donc un réseau de recherche et la cosmétique, ce n'est pas que répondre à des attentes clients, ce n'est pas que des enjeux réglementaires, c'est une vraie filière qui investit dans la recherche, dans l'innovation, et on en a aujourd'hui un témoignage. L'autre pilier de Cosmetic Valley qui est illustré aujourd'hui, c'est l'importance d'accompagner le développement des entreprises, le développement du business, et ce n'est pas un hasard si cet après-midi, les 6 finalistes qui ont pitché devant notre jury ont été challengés sur cet enjeu. Notre jury était fait de spécialistes du monde de la finance, on va dire, avec la BPI, avec l'ESSEC, mais aussi des spécialistes du domaine cosmétique, avec des représentants des plus grandes marques de notre domaine. Et donc, c'est ces deux piliers qui sont illustrés à travers les Victories, un pilier recherche, un pilier scientifique, et un pilier business, parce que les deux ne vont pas sans l'autre. Il faut développer la science, développer la connaissance, et ensuite l'amener sur le marché pour développer l'emploi en France. Business au sens même très large, puisque le ministère de l'Économie et des Finances est concerné. Vous arrivez aussi à rassembler la BPI, le CNRS pour les chercheurs aussi. Enfin voilà, tout le monde se penche sur ses berceaux. Exactement, c'est une filière complète que l'on a en France, avec le monde de la recherche représenté par le CNRS, avec qui on partage une stratégie très forte. La BPI, évidemment, acteur incontournable, et plus globalement l'État, puisque nous étions encore, comme le rappelait le président, vendredi dernier en comité de filière sous la présidence de Bercy.
Voilà, le décor est posé. C'est maintenant le temps d'écouter les finalistes. Et puis, ils vont pouvoir comprendre en direct avec vous qui aura gagné. Donc, je vous propose de lancer sans plus attendre le premier prix de cette 6e édition des Cosmétiques Victorize. On y va ? Allez, on va parler du prix académique. Christophe Masson, le prix académique. Alors là, tout de suite, le mot impose, il en impose. Bien évidemment, c'est un lien complet avec les chercheurs, la recherche. On va parler là de ce substrat important qui doit constituer la cosmétique, la recherche, l'invention. On est plus dans la théorie, là. Oui, alors ce que l'on récompense sur ce prix académique, ce sont des chercheurs confirmés, des post-doctorants, des doctorants, peu importe, mais des spécialistes issus du monde de la recherche qui vont développer la connaissance, inventer des nouvelles choses qui vont pouvoir intervenir auprès de notre filière, qui vont pouvoir apporter des innovations qu'on appelle parfois de rupture. Ce qu'on a évalué cet après-midi et sur les dossiers en février, c'est évidemment le caractère innovant de cette recherche qui est proposée, mais il n'y a pas grand doute là-dessus, puisque nos chercheurs ne font que des choses innovantes. On a regardé aussi le potentiel d'application de ces découvertes pour la cosmétique. Et puis un regard a été particulièrement porté sur est-ce que ces recherches, quand bien même intéressantes, fondamentales, d'excellence, est-ce qu'elles sont réellement transférables à notre industrie ? On sait bien les enjeux qu'on a dans notre filière, des enjeux réglementaires, des enjeux de marché. La recherche est une chose, leur applicabilité à notre filière, c'en est une autre, et c'est ce qu'on s'est assuré de vérifier en jury cet après-midi. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter justement la parole de ces trois finalistes et peut-être, vous, derrière l'écran, de contribuer à vous forger votre propre opinion. Et puis, comme ça, vous verrez si vous êtes plus ou moins d'accord avec le lauréat. Mais je crois que vous allez de toute façon découvrir énormément de choses. On va commencer par le premier finaliste, Laurent Billion. Bonjour. Université de Pau, pays de la Dour, voilà, le décor qui est un peu derrière vous ne nous le fait pas deviner, mais c'est bien de là que vous nous parlez. Alors, la tâche va être un petit peu rude, parce qu'il faut recommencer. Merci d'avoir participé à ce concours. Expliquez-nous, à nous tous, de quoi il retourne concernant votre projet. Dites-nous. Donc, ce projet, c'est un projet dont l'innovation porte sur la synthèse de matériaux qui sont des micro-éponges, qui sont bio-inspirés de par leur forme et de par leurs propriétés. Et donc, ils vont être capables, de par leur structure, d'encapsuler des actifs et ensuite de pouvoir relarguer ces actifs à la demande en fonction de stimuli, qui peut être la température ou qui peut être des variations de pH. Donc ensuite, ce travail il a évolué. Il y a eu plusieurs générations. Il y a eu une deuxième génération de particules, de micro-éponges, qui a permis de faire de la couleur sans colorant. Et d'avoir des propriétés caméléon, donc c'est-à-dire de pouvoir changer de couleur en fonction d'un étirement. Donc, par exemple, la peau, lorsque la peau bouge, la couleur peut changer. Et puis, en plus suite, on a évolué vers d'autres générations, une troisième génération, une quatrième génération, de manière à amener des fonctionnalités un petit peu différentes à chaque fois, et pour tendre vers, à l'heure actuelle, une cinquième génération qui est en cours de développement sur une partie plutôt de biodégradabilité de ces matériaux. Donc, en fait, c'est un travail de un petit peu de longue haleine qui a débuté il y a environ 8 ans et qui a permis, comme ça, en développant de nouvelles générations de matériaux capables d'encapsuler, de relarguer, de se structurer pour générer des propriétés de couleur sans colorant, de pouvoir développer une innovation pertinente pour les cosmétiques, mais également aussi pour d'autres applications telles que la médecine ou des problématiques de tissus. Laurent Billion, où se situe votre projet dans son histoire là ? Vous êtes aux trois quarts du chemin pour devenir existant dans ma salle de bain où il y a encore beaucoup de chemin à faire ? Il reste du chemin, je pense qu'il reste malgré tout un peu de chemin. Mais comme je l'ai dit, ça fait quand même 8 ans qu'on est dessus. On essaie de trouver des applications un petit peu différentes. Mais ce qu'on attend beaucoup là maintenant, c'est vraiment de passer à un niveau. On a eu des projets de maturation, donc on a développé, on a augmenté un petit peu en technologie, en niveau de technologie. Et là maintenant, vraiment, ce qu'on attend, c'est de vraiment franchir le cap. Et on a des projets de licence avec des partenaires industriels
de manière à ce qu'ils puissent s'approprier la technologie et voir comment cette technologie pourrait être, je dirais, implémentée dans leur formulation. En quelques mots, comment est-ce que vous avez ressenti ce jury ? Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais au travers des questions, de l'intérêt porté, c'est à chaud, là. Vous sortez un petit peu du ring, en quelque sorte, alors ? Bah, c'est toujours difficile, parce qu'avec le distanciel, avec la caméra, c'est toujours quelquefois difficile de percevoir. Je suis enseignant-chercheur et on s'aperçoit que voilà, la relation à travers la caméra est difficile à percevoir, mais dans l'ensemble, je pense que voilà, l'innovation a été bien perçue et les questions ont été, je dirais, diverses et variées. Donc en ça, je pense que c'était intéressant d'avoir cette expérience-là. Merci, merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ça pourra permettre à tout un chacun de s'intéresser à ces microgels bio-inspired, comme on dit en bon anglais, tout à fait innovants. C'était le premier projet, le premier finaliste présenté au jury de Cosmetic Victories. Merci Laurent Billon. On va continuer avec le deuxième finaliste qui, lui, nous arrive tout droit d'AgroParisTech. Qu'on connaît bien, mais qui est situé là, je crois, Cédric Perrault, pour vous, du côté de Reims. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez proposé au jury de Cosmetic Victories un projet assez ambitieux parce qu'il s'appuie et voilà, il s'attaque à un domaine ô combien important dont on parle pas mal en ce moment. Tiens, il y a du soleil dehors. Dites-moi, Cédric. Exactement. Donc l'idée, c'est de proposer des alternatives donc, à des filtres UVA qui puissent être naturels ou biosourcés, donc à partir de ressources locales ou renouvelables. Donc le projet, il sort d'un constat. Voilà, les filtres UV, ils sont beaucoup décriés actuellement, hein, notamment parce qu'ils sont obtenus à partir de ressources fossiles. Il y a pas mal de problématiques autour de la santé également, ou tout ce qui est destruction des barrières de corail. Donc l'idée, c'est d'utiliser des molécules qui sont présentes dans différentes biomasses, donc qui sont peu ou pas valorisées, de les extraire et finalement de les modifier par des procédés de chimie verte ou enzymatique pour leur conférer des propriétés filtre UV. Donc pour ça, on a protégé donc avec un brevet l'innovation, toutes les molécules. Et donc ces molécules, on les obtient par des procédés éco-responsables dans l'eau, à l'échelle du kilo, donc pour pouvoir aller challenger le marché des filtres UVA en cosmétique. Voilà, donc vous êtes conscient que vous vous attaquez là à une montagne ô combien importante, parce qu'il y a, pardon, mémoire de journaliste, mais il y a 26-27 ingrédients autorisés pour aller dans le filtre solaire. Dernièrement, il y en a un qui vient d'être accepté après plus de 10 ans de recherche par un grand groupe français, il a été proposé. Donc vous avez conscience que la route est assez longue pour proposer un nouveau filtre solaire. Il nous faudra certainement des partenaires pour nous épauler sur ce trajet, que ce soit des partenaires académiques ou industriels pour toute la partie toxicologie, montée en échelle, formulation, validation des molécules, etc. Alors, même question qu'au précédent finaliste, Cédric Perrault. Dans quel état êtes-vous après le passage en douceur, en bienveillance, auprès de ce jury de Cosmetic Victories ? On a eu un jury d'experts qui ont posé des questions pointues, très pertinentes sur le sujet. Donc, nous sommes très contents d'avoir eu cet échange et cette opportunité. Voilà, en bon chercheur, vous attendez à être challengé, comme on dit là encore en bon anglais, au fur et à mesure de votre parcours. Exactement, je trouve que ça fait avancer la recherche, ça fait avancer aussi la maturité du projet et ça aide à se poser des questions sur le transfert technologique. Vous étiez déjà beaucoup frotté à des industriels ou pas encore ? Parce qu'il le jury, il y a des chercheurs, des industriels. On a des échanges avec le milieu industriel, effectivement. Ouais. Et c'est souvent compliqué et challengeant. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous laisse à votre suspense. Merci de nous avoir résumé ce qui constituait donc le deuxième projet finaliste. On va maintenant s'intéresser, bien sûr, au troisième. Merci. Voilà, on compte tous jusqu'à trois. Roberto et Hassan. Roberto Vargiolou, bonjour. Vous êtes en compagnie de Hassan Zawani. Merci beaucoup d'être là tous les deux. Alors, dans quel monde est-ce que vous avez fait entrer le jury ? Où est-ce que vous avez embarqué le jury ? Ben, on a essayé de faire un peu rêver le jury dans le sensoriel, dans le sensoriel tactile, en leur proposant un objet connecté, augmenté du doigt humain, pour faire vivre une nouvelle expérience aux consommateurs dans le toucher de leur peau ou de leurs cheveux. Vous l'avez là en vrai, Roberto ? Il existe Ah bah oui, j'ai un prototype là. Un prototype.
Alors, est-ce qu'on peut juste le voir un peu de loin? On va protéger tous les secrets, mais oui. Voilà, un capteur. Ah non, il, y a pas de secret, hein. Il est camouflé. Il n'y a, pas de secret. Tout existe. Tout est breveté, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ici une bague. On vient glisser sur le doigt. Ouais. Et sur cette bague, on a mis, des capteurs. Et lorsqu'on va toucher effectivement la surface avec la pulpe du doigt va vibrer. Et lors de sa vibration, cette pulpe du doigt va transmettre à un capteur de vibration la vibration de la pulpe. Et on sait que cette vibration, c'est ce qu'il y a au niveau de la peau. Au niveau de la peau, on a ce qu'on appelle des mécanorécepteurs. Et lorsqu'on touche une surface, vont vibrer. Et ces mécanorécepteurs vont ensuite transmettre l'information au cerveau qui va interpréter cette information en information de douceur, de toucher. Et ben nous, on est allé capter l'information du doigt au niveau de sa déformation mécanique avec un capteur. Et grâce à cette information, on va avoir une image de la douceur. Voilà, donc quand je touche... Oui. On a un petit peu espionné ce que ressent le doigt et ce qu'écoutent les mécanorécepteurs en s'interposant pour un petit peu limiter dans ce qu'il traite comme information. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode simple, reproductible, et avec l'intelligence artificielle, on lui a donné une mémoire et une possibilité de classer le type de douceur avec, bien sûr, une base de données qui est en train de s'enrichir aujourd'hui. Voilà, donc vous serez d'accord de dire que vous donnez une sorte de langage codé, objectivé, comme on dit en science, à nos sens, en quelque sorte. Donc quand je touche mes cheveux et que je vais exprimer le ressenti, cette petite machine va aider à vraiment m'assurer scientifiquement de ce que je dis, en quelque sorte, et on pourra comparer. C'est ça. Aujourd'hui, quand on fait des tests pour toucher la surface ou les cheveux ou la peau, etc., on est dans une notion subjective. Et ce qui est recherché avec cet outil, c'est l'objectivité, c'est-à-dire de donner un chiffre à une valeur. Comme aujourd'hui, on sait mesurer la température avec un thermomètre, ben avec notre appareil, le Touchy Finger, on sait mesurer la douceur. Merci beaucoup, messieurs, pour cette synthèse formidable de ce troisième projet. Roberto Vargiolou et le professeur Hassan Zawani, merci encore de nous avoir fait rentrer dans ce monde de la science des frottements et du toucher. Alors, il est temps maintenant de voir qui des trois lauréats sera peut-être le grand gagnant de ce prix académique des Cosmetic Victories. J'accueille le président de Cosmetic Valley, Marc-Antoine Jamais, pour ce faire, bien sûr. Et là, il y a une formule magique, normalement. Et le gagnant est... Alors, vous êtes à l'antenne au moment où les petits papiers virtuellement vous tombent dessus, Laurent Billon. Merci beaucoup. C'est du direct, là. Hein. Oui, c'est du direct. Oui. Je vais avoir un peu de mal à récupérer. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce prix, parce que derrière, c'est vrai que c'est du travail depuis longtemps. Et puis, j'en ai fait mention lors de ma présentation, mais... À ce prix, je dois associer quelqu'un qui malheureusement nous a quittés. Et sincèrement, je pense beaucoup à lui là. C'est Jean-François Tranchant de LVMH qui était le partenaire industriel avec qui on a commencé cette expérience. Et je pense que si on est là, c'est que on ne serait pas là sans lui. Et je voulais avoir un mot pour lui. Avoir un mot pour tous les collègues qui l'ont succédé et merci à Cosmetic Valley. Merci beaucoup. Voilà pour un éclairage. Alors. Mais une petite surprise ou une chose un peu spéciale, Laurence. Le jury était bien embarrassé et je voudrais saluer Cédric Perrault parce qu'il a affronté une montagne, la montagne des filtres solaires. Elle n'est pas évidente industriellement. Tous les jours, on sait que la réglementation européenne, un certain nombre de rumeurs aussi, rendent ce produit difficile. Donc, je lui donne rendez-vous à dans pas très longtemps à lui et à AgroParisTech. Mais il y a eu un coup de cœur. Un coup de cœur, et
C'est celui qui va vers le professeur Hassan Zawani et vers également le docteur Roberto Vargiolu, parce que ce touchy finger, celui qui est capable d'avoir la sensibilité, de comprendre, d'analyser, de classer un certain nombre de phénomènes, on a trouvé qu'il fallait le récompenser. Alors, c'est le coup de cœur du jury. Ce que je vous propose, c'est que le 13 et le 14, il y aura Cosmétique 360, le salon de la cosmétique mondiale qui se tiendra à Paris, au Carrousel du Louvre. J'espère qu'un certain nombre d'ennuis, vous voyez mon masque, seront un peu derrière nous. Et on vous propose de rejoindre le Tech Corner de Cosmétique 360, d'être au cœur de notre zone d'animation, qu'on vous fasse une promotion, une sorte de publicité, et que vous soyez pris, évidemment, dans tous nos moyens et nos outils de communication pour ce grand coup de chapeau, parce qu'on a aimé votre présentation, on a aimé votre produit, et les choses se sont faites de manière serrée. Les Pyrénées étaient le plus fort, ils sont enneigés, mais à l'école centrale de Lyon, les montagnes ne sont pas très loin non plus. Donc bravo, et puis rendez-vous le 13 et le 14 octobre sur la zone d'animation, la Tech Corner. Je vous assure, ça vaut de l'or également. Voilà, eh bien écoutez, merci franchement, voilà, je ne vais pas casser mon micro, mais bravo franchement à tous les trois, parce que ça a été absolument passionnant de vous écouter. Je crois que je ne pervertis pas, trahis pas les propos du jury. On a eu du mal à vous départager. On a appris énormément de choses. Ne lâchez rien, surtout. Tout le monde est gagnant. Et pour tous ceux que ces projets intéressent, vous retrouverez dans cette émission les coordonnées, les contacts de chacun de ces projets. Et vous pourrez bien sûr prendre langue avec les finalistes. Voilà donc pour le prix académique. Bravo donc à vos microgels, Laurent Billon. Bravo aussi à vos challengers. On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de cette remise de prix des Cosmétiques Victories, le prix industriel. Le prix industriel pour cette sixième édition des Cosmétiques Victories. C'est ce qui signifie bien, vous l'avez dit en préambule, Christophe Masson, que Cosmétique Valley a deux pieds. Le pied dans le suivi de la recherche et puis le pied dans la réalité business, économique, ô combien. Quelles sont les règles pour statuer? Comment le jury doit-il réfléchir pour remettre ce prix industriel? Alors nous passons maintenant effectivement au prix de l'industrie. Donc les gens que l'on va féliciter ici, ce sont des industriels, start-up, PME, entreprises. On est sur le temps du court terme de produits que l'on va mettre sur le marché d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, alors que nous étions juste avant sur des projets plus moyen-long terme avec encore des verrous scientifiques à lever. Les critères, ils sont toujours d'abord l'innovation. On ne célèbre pas un prix d'innovation sans regarder de très près l'état de l'art et la capacité de ces projets à se différencier sur les marchés. Et l'autre critère qui a été beaucoup travaillé cet après-midi, beaucoup challengé, c'est évidemment celui de l'impact économique. Est-ce que l'innovation qui va être proposée va donner un impact économique pour l'entreprise et plus globalement pour cette filière cosmétique? Là encore, c'est la possibilité peut-être pour vous derrière cet écran de découvrir des pépites, de prendre langue. Et je voudrais préciser que si parfois on s'est exprimé en français, tout sera traduit grâce aux sous-titres en anglais pour les replays à venir et pour pouvoir échanger, parce qu'évidemment, l'anglais est très souvent ô combien utilisé dans le domaine. Alors, on va commencer par la présentation des lauréats pour le prix industriel. On va regarder leurs photos. Alors, on va commencer par le premier finaliste, là encore pour ce prix, trois finalistes. Timothée Xantopoulos, bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Est-ce qu'on s'entend bien? Voilà, oui. C'est parfait. Alors, avec vous, il s'agit, allez, on le dit carrément, c'est, voilà, votre jeunesse soutiendra ça, de changer le monde de l'emballage. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, notre projet, donc, c'est une solution packaging pour l'industrie de la cosmétique, donc plus précisément pour les produits d'hygiène. Et on se concentre sur deux concepts principaux, donc la protection de l'environnement, qui est un gros sujet actuel, et la fonctionnalité.
Donc notre idée packaging est un packaging hydrosoluble, donc qui se dissout au contact de l'eau. Et ce film est produit à partir de matières naturelles et de molécules dérivées de la biomasse. Donc le packaging va donc éliminer l'utilisation de plastique et la zéro déchet vu qu'il se dissout. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi un aspect fonctionnel à ce film, puisque lorsqu'il se dissout, il relargue en fait des molécules naturelles avec des propriétés tensioactives, émulsifiantes, émoussantes. Et donc ça va booster les propriétés du produit de douche. Donc avec cette solution, on veut un peu changer l'expérience de douche actuelle que les consommateurs ont, et même leur vision du packaging, pour qu'ils ne perçoivent plus le packaging juste comme un simple contenant passif qui, à la fin de sa vie, finira potentiellement par polluer, mais comme un contenant actif et environnemental. Donc voilà, c'était toute l'idée du projet. Vous optimisez en quelque sorte l'emballage. Quel type de fonction un emballage peut prendre alors ? Ben alors, en fonction déjà ergonomique, parce que les consommateurs n'ont plus besoin de tenir, par exemple, des bouteilles de shampoing pour essayer de vider le contenu. Là, ils ont juste, par exemple, j'ai un petit échantillon, juste besoin de tenir le petit pack dans leurs mains et le laisser passer sous l'eau quand ils prennent leur douche. Et le film qui encapsule le produit d'hygiène se dissout. Et en même temps, lorsqu'il se dissout et donc le packaging s'élimine, il va donc augmenter les propriétés du produit d'hygiène en donnant des effets moussants et donc émulsifiants. Donc moussant, c'est la mousse, et émulsifiant, c'est l'aspect nettoyant. Donc à quel point le produit d'hygiène va aider à mieux nettoyer notre corps, pour dire les choses grossièrement. Voilà, donc on comprend bien comment BioPack 3 en 1, ou 3 in 1, en bon anglais dans la présentation du projet, vise à rajouter un effet plus-plus à ce qu'on connaît déjà un petit peu, qui est l'emballage hydrosoluble, mais vous prétendez aller encore plus loin. C'est ça. Okay. Donc l'aspect... Donc, ouais, okay. C'est ça. L'aspect... Eh bien, on est d'accord, alors c'est super. Oui. On a résumé la chose. Vous êtes d'accord? C'est bien ça. Ok, oui, alors on laisse entrer le suspense, si vous voulez bien. Et puis on va essayer de comprendre ce qu'il en est pour notre deuxième finaliste du prix industriel. Marine. Bienvenue, Marine. Bonjour. Marine Capron, vous nous appelez d'Italie. Vous avez aussi fait une présentation en anglais. Alors là, on va quitter le monde de l'emballage, on va vers la poudre. Tout à fait, oui. L'innovation en fait, que j'ai présentée aujourd'hui, c'est donc une poudre qui est biodégradable et safe pour l'environnement et qui agit en tant qu'alternative aux microplastiques. Dans tout ce qui est les produits, ce qu'on appelle les produits non rincés en cosmétique, donc le maquillage, les crèmes et crèmes solaires. Alors, qu'est-ce qui fait, alors en quelques mots, selon vous, l'originalité de votre proposition ? Parce qu'évidemment, on rêve de remplacer tout ça au mieux, mais en quelques mots. Alors, c'est vraiment le combo en fait, de trois points. C'est la partie durabilité. Donc, on a vraiment un produit qui est 100% durable et biodégradable, avec en plus un haut taux de biodégradabilité. Un produit performant. Donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir retravailler comme avec les anciens produits plastiques qui sont très, très, très techniques aujourd'hui. Dans les cosmétiques, mais avec un produit durable, et en plus de ne pas avoir d'impact de coût formule, parce que c'est toujours un point important quand on parle d'innovation. C'est une chose de proposer une innovation d'une solution à l'environnement, par exemple, mais c'est une autre de pouvoir aussi suivre en termes de prix et de pouvoir maintenir les coûts formules de nos marques et pour nos consommateurs. Formidable. Comment est-ce que vous avez ressenti votre petit passage devant le jury de Cosmetic Victories ? Ça s'est très bien passé. Les jurys ont posé des questions totalement pertinentes et variées et intéressantes. C'est la première fois que l'on participe à
à cet événement et vraiment c'était très enrichissant et on est très heureux de pouvoir présenter notre innovation à travers ce type d'événement. Cellus Biphil, donc ça c'est son nom. Dernière question, vous êtes à un stade d'existence immédiate, votre produit est complètement prêt à être lancé sur le marché ou il faut encore valider quelques points ? Non, il est totalement prêt. Il y a déjà des marques qui sont en cours de test aussi et qui nous ont aussi aidés à améliorer les performances et à découvrir de nouvelles performances aussi. Donc, le produit est prêt pour remplacer les microplastiques très bientôt. OK. Mais je vous laisse aussi au suspense, si vous le voulez bien. On va écouter le troisième challenger. Et puis, d'ici quelques minutes, on saura bien sûr qui est le regagnant de ce prix. Alors, troisième finaliste, c'est un tandem. Alors, merci à lui d'être là depuis la Pologne, parce que vous le savez, les Cosmetic Victories, voilà, il y a plus de 80 projets, mais qui proviennent de plus d'une douzaine de pays. Vous voilà, Marcin et Agnieszka. Merci beaucoup d'être encore là après le passage devant ce jury. Comment est-ce que vous voulez synthétiser ? Français, anglais, racontez-moi un petit peu le sel de votre Invention Bio. Donc, la compagnie est une compagnie qui a été créée un peu à la, entre recherche et industrie. Moi, nous travaillons aussi à l'Université de Wrocław. Donc, on a transféré la connaissance de l'université, de la science, de la recherche vers applications cosmétiques. Nous avons créé une compagnie qui a pour le but d'être transformer l'industrie d'une manière globale. L'idée, c'était de produire, de remplacer pétrole, donc remplacer des produits de chimie classiques. Mmh. Vous savez que la pétrochimie a été développée pendant plusieurs décades. Il y aura un jour où il n'y aura plus de pétrole et de toute façon, c'est ennuyant pour l'environnement. Donc, l'idée, c'était de l'utiliser des technologies qui sont utilisées pour la séparation des différents produits dans la chimie pétrochimique et de le transmettre dans la bioraffinerie où on produit à partir de la biomasse les produits chimiques, les produits naturels, les produits de la green chemistry, en se concentrant sur les produits pour l'application cosmétique. Et comme ça, c'est une chose qu'on a réussi à faire, de changer l'échelle et d'utiliser de lancer une bioraffinerie. Mais de plus, d'habitude, l'effet de cette bioraffinerie, d'habitude, si vous avez une biosynthèse, vous avez des composants qui sont très valeureux, qui ont beaucoup de valeur. Ils sont présents dans la biomasse à une concentration minuscule. Donc, pour ne pas jeter et pour avoir une valeur qui n'est pas trop grand pour le vendre, il faut penser, trouver la solution que faire avec le reste de la biomasse. Et dans les processus qu'on a, c'est un processus complètement, ce qu'on appelle food grade, ce qui est, on utilise les bactéries probiotiques, on n'utilise que les solvants qu'on peut boire. Et l'idée, c'était de faire les cosmétiques qu'on peut quasiment manger. Donc, tout le reste qu'on n'a pas isolé pour la production de cosmétiques fait une nourriture multifonctionnelle pour les animaux avec activités enzymatiques, probiotiques, prébiotiques, éliminant des toxines et tout ça. Mais de plus, comme d'habitude, les substances naturelles sont un peu plus chères quand même. On a pensé comment augmenter l'efficacité et comment faire que de manière de l'introduire
dans la peau, parce que la peau est couverte dans les parties des cellules mortes. Et si vous voulez donner les vitamines, par exemple, à des cellules vivantes, vous devez faire passer les substances à travers de la peau qui nous protège. Et pour ça, on a fait des systèmes qu'on appelle Smart Delivery Capsules. Ce sont des systèmes nano. En termes, n'est pas très bien apprécié à cause des particules solides peuvent être dangereuses, mais nous faisons des petites particules qui sont souples, qui sont basées sur les substances naturelles, comme composées des acides aminés, des peptides, des acides gras, qui peuvent nourrir les cellules. Et dans ces petites particules, nous enfermons des substances actives, des vitamines, des antioxydants et tout ce qu'on veut, de manière qu'elle traverse la peau, la surface de la peau. Et en arrivant à la première couche des cellules vivantes, ils sont probablement, on ne sait pas encore, c'est un projet plus scientifique, de connaître la manière comment les substances sont relâchées de ces particules. Délivrées, voilà. Voilà. Merci. C'est très gentil. Vous faites un exercice horrible qui est de resynthétiser. Mais le jury, c'était tout à l'heure. Mais on saisit bien que pour ce Smart Delivery System, ces vecteurs, cette encapsulation qu'on peut donner à la peau, vous avez fait appel à la bioraffinerie et que vous essayez de nous rendre ça plus intelligent en utilisant la chimie verte. Donc, on sent bien là que vous êtes sur un terrain qui est complètement en réponse à un air du temps. Merci beaucoup. C'est un petit peu le jeu pour que chacun vous ayez le même temps. Donc, on a une petite cartographie de nos trois finalistes pour le prix industriel. Sachons maintenant qui est le lauréat, le finaliste Marc-Antoine Jamais. Décider, c'est choisir, comme gouverner. Et choisir, c'était bien difficile. Il y avait la possibilité de saluer la planète et un jeune homme qui avait un nom d'amiral grec, Timothée Xantopoulos, quand même. Il y avait l'autre pays de la cosmétique, l'Italie, il faut la saluer, ils font partie du Global Cosmetic Center et ce sont des amis. Et puis il y avait cette idée de renouer un lien avec Marie Curie. La recherche polonaise, la recherche française, ça a toujours été très proche. Il y a des liens, le CNRS ne me dira pas le contraire. Et donc, à un moment, il faut le dire. Allez-y. Et le gagnant est... du distanciel, comme on aimerait vous avoir près de nous, ressentir, bon, une joie contenue, mais une joie tout de même, non? c'est pas seulement le business, c'est aussi hobby, donc c'est quelque chose que j'aime bien, que nous aimons bien. Et on fait ça pour nous, comme pour la société, pour les enfants. Et on a toujours pensé pour développer produits et pour nous-mêmes, donc c'est vraiment chouette de gagner ce prix. Non, franchement, bravo. It's fantastic time for me. Thank you, especially that the such estimate jury noticed our work and innovation. Thank you very much. Congratulations. Congratulations Agnieszka et Martine, merci beaucoup. Merci franchement aussi à tous ces finalistes qui ont fait l'effort de nous résumer un petit peu des projets qui auraient pu mener à des discussions beaucoup plus longues. Ben voilà, il est temps maintenant, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, donc il est temps de remercier quand même tous ces candidats qui sont arrivés, plus de 80 dossiers à 6 finalistes. Féliciter les 80, féliciter les 6, féliciter les 2 et féliciter le troisième des 2 parce que nos additions ne sont pas tout à fait justes, mais en tout cas, une très belle compétition, je voudrais le dire à tous ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Le jury a eu du mal,
Le jury était composite, le jury était composé de savants, de moins savants, et dans chacune des chapelles, il y a eu des votes très partagés. Donc vous avez un peu tous gagné. On vous a départagé. Félicitations, merci. Et continuez. La cosmétique, elle a besoin de vous, elle a besoin de science, elle a besoin de savants, elle a besoin de technologie et d'avancée. Donc merci, continuez. Et n'oubliez pas, il y aura une 7e cérémonie. Ah ah, n'est-ce pas, Christophe Masson? On va faire un petit, une petite carte postale. Tenez, regardez, ils sont là, tous nos finalistes. Coucou à tous. Merci beaucoup depuis nos régions françaises, certains pays européens. Bravo encore pour cet exercice de synthèse. Alors, la 6e édition est terminée. Ben oui, les meilleures choses ont une fin, mais on prépare d'ores et déjà la 7e édition, une 7e édition qui sera lancée à l'occasion du Salon Cosmétique 360 les 13 et 14 octobre. Et puis surtout, je vous invite à venir rencontrer ces finalistes, ces lauréats, puisque ce soir, tout le monde a gagné. On a vu six très belles innovations dans le domaine de la tech, dans le domaine de la naturalité, de la formulation. Je vous invite vraiment à venir les rencontrer. Ils seront tous là, à Paris, au Carrousel du Louvre, les 13 et 14 octobre. Donc, ce sera un plaisir de vous d'y accueillir. N'hésitez pas, vous allez pouvoir, grâce à nos images, et merci la régie, retrouver les photos des différents finalistes. Mais c'est important parce que c'est un vrai coup de projecteur formidable que vous pouvez donner, messieurs et Cosmétique Valley, à ces chercheurs, à ces futurs entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à essayer de joindre Laurent Billon pour parler de microgel avec lui, Cédric Perrault pour voir ce qu'il en est de son fameux filtre solaire, Roberto Evardiolou et Hassan Zawani. Parler avec eux de tribologie. Ben oui, vous savez, la science des frottements pour ce touchy finger. Marine Capron, ben elle va vous parler de poudre cosmétique. Timothée Xantopoulos, eh bien lui, il parlera avec vous de cet emballage intelligent et vertueux. Et puis avec notre tandem qui vient de Pologne, Martine et Agnieszka, eh bien vous pourrez évidemment leur parler de ce prix qu'ils viennent de remporter pour cette nouvelle approche des Smart Delivery Systems, des vecteurs. J'ai toujours du mal à trouver l'expression française pour dire ça, mais on s'entend bien. Donc c'est vraiment, vraiment un plaisir de pouvoir assister à tout ça, apprendre tout cela, parce que c'est ça aussi la cosmétique, c'est la possibilité d'apprendre toujours énormément de choses. Prochaines étapes, messieurs. Alors, des rendez-vous et des rendez-vous importants, parce que la cosmétique, c'est une industrie, la cosmétique, c'est un charme, la cosmétique, c'est une science, c'est tout à la fois. Et il y a deux jours que vous ne devez pas manquer, le 13 et le 14 octobre, Christophe Masson, le directeur général de Cosmétique Valley, l'a dit. On vous attend, nombreux, au Carrousel du Louvre, avec, on l'espère, des délégations étrangères, beaucoup de monde avec probablement encore des gestes barrières, mais en présentiel, nous le souhaitons, nous l'espérons. Et puis, lors de ce moment, il y aura quelque chose d'un peu spécial. Il y a ce que nous appelons maintenant 48 heures cospéto. 48 heures cospéto, ça va être le moyen pour nous de mettre dans ces deux journées beaucoup de choses, et notamment la deuxième édition des États généraux, qui devient le sommet de la cosmétique, faire en sorte que ce comité de filière qu'on a réuni avec la ministre de l'Industrie il y a à peine trois jours débouche sur des vrais groupes de travail, des vrais progrès. On est leader, leader ça se mérite, leader ça se conserve, leader ça se garde. Ça. Et puis le plus important pour nos candidats, là aussi Christophe l'a dit, la 7e édition, elle sera lancée sur Cosmétique 360. On attend beaucoup de dossiers, on attend beaucoup de projets, on attend beaucoup de chercheurs, on attend beaucoup de pays. La cosmétique, c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe à Chartres, c'est ici que ça se passe à Paris, c'est en France que ça se passe. Et c'est donc en France qu'il faut que vous veniez défendre toutes vos recherches, toutes vos trouvailles, toutes vos inventions, toutes vos découvertes. Nous les écouterons avec beaucoup d'attention. Merci Laurence. Merci Christophe, merci. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Et puis moi, c'est avec un plaisir non dissimulé que je regarderai pourquoi pas ce replay pour bien intégrer encore le sel de l'information délivrée par tous ces finalistes. Cosmétique Valley TV, et oui, ça existe bien, vous avez suivi ce live, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le replay est possible, replay, n'est-ce pas Christophe, de plein d'autres choses qui ont lieu. Vous avez des points sur les tendances, vous avez eu le congrès Sensory, que j'ai eu le plaisir d'assister récemment, et encore plein d'autres choses. De l'information quasi secrète, parfois. N'est-ce pas? Donc, franchement, maintenant, voilà, nouvelle chaîne pour vous, une web télé passionnante, une web télé entièrement dédiée à la filière cosmétique. Et vous savez quoi? Il était temps. Merci beaucoup, à très bientôt.